Ah merde, merde, j'avais oublié. Désolé, me revoilà dans le déjeuner léger. On est ensemble jusqu'à 14h. Voilà, comme ça, ça s'est fait. On en fait un petit, excusez-moi, j'avais pas vu que ça avait relancé la pub. Vous êtes toujours nombreux à voter sur le sondage. Ça fait plaisir. Kate Bush, réponse A. Fat Boy Slim, réponse B. Réponse C, non mais entre une vieille et un mec qui se drogue, moi je vais aller sur Eclipsia, moi maintenant. 560 personnes qui ont voté actuellement. Si vous n'avez jamais voté pour les sondages, allez-y. Ça fait quand même plaisir. On va baisser un petit peu la musique parce que c'est un petit peu haut tout de même comme son. Alors, on va bientôt jouer contre Yellowstar. J'ai publié d'ailleurs sur mon Twitter, les amis, comme quoi, sur Twitter, eh bien, on peut avoir les informations un petit peu avant, que j'allais jouer à 13h40 actuellement sur Warcraft 3 et je vais donc sûrement défoncer Jaune Star. Comme vous avez Jaune Étoile, Étoile Jaune, avec une personne sur le bordel là, qui est en train de parler pas mal. Hein, ouais, il parle pas mal. Bon, c'est bon, on est sur Warcraft 3, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Regardez. On est bien ici. Alors attendez, je vais mettre ma petite caméra. Évidemment. Alors j'essaierai de la voir hein, sur Skype. Yellow, il est en train de faire une game avec Enrated. Et il me dit, ouais, non, là c'est pas possible. Là c'est la merde. Là il m'a dit, là c'est la merde. Même jouer en même temps en League of Legends, en avoir 3, ça sera un petit peu chaud et tout. Je recadre mon truc, hein, vous inquiétez pas. Voilà, c'est parfait. Hey, c'est parfait. C'est parfait. 3 personnes sur le chan Lège sur Warcraft 3. Nous sommes des milliards actuellement. Donc Lège Fan et IRC Challenger. Bonjour, est-ce que tu veux que je host ou bien j'ai ouvert les ports? Ah bah si t'as ouvert les ports, c'est une bonne nouvelle. Mais avant ça, donc tu vas host sur Turtle Rock déjà. Non, tu vas host sur Twisted Meadows, Prairie Ravagée. C'est ma map, on va essayer de le niquer. Donc on va créer sur ma map, donc TM, et puis voilà. Alors, moi je vais faire une petite game de chauffe avant qu'il arrive. Donc un petit coup de random, hop. Et puis on va être parti. Mes stats, c'est quoi actuellement? Je suis à 35-19, 35 victoires, 19 défaites. J'ai gagné contre 2 top 30 il y a genre 2 jours. Donc parce que j'ai joué un petit peu hein, samedi dernier. Et j'ai gagné contre 2 personnes qui étaient dans le top 30 solo. Donc c'était assez marrant. Ils étaient même pas level 40. C'était en level 39 ou quelque chose comme ça. Donc c'était assez funny. Baisse le son, s'il te plaît! C'est trop fort? Moi j'aime bien. Ouais. Ouais, ça va. Baisse le son, trop de trop. Le stomp. Ah, merde. Vous pensez que je vais me faire stomp? Bah vous êtes pas pour moi. D'accord, ok, très bien. Eh bah c'est noté. Le vote est terminé pour le sondage. 778 votes ont été collectés. 125 pour Kate Bush, Babushka, 312 pour Fatboy Slim, Right Here, Right Now. Et la réponse C. Non mais entre une vieille et un mec qui se drogue, je vais aller sur Eclipsia moi maintenant. Vous n'avez pas été assez pour la réponse C, puisqu'il fallait plus de 50% des votes pour que je la prenne en compte. Donc ça sera la réponse B, Fight Boss Slim, Right Here, Right Now, qui sera rajoutée à la playlist Legendary. On est parti dans la gamme, et je suis Human sur Middlewood. C'est un match-up très très désavantageux pour moi, parce que déjà que je ne sais pas très bien jouer Human. En plus de ça, je joue sur une map de merde pour Human. Donc c'est horrible. Ah, c'est horrible. Alors, en plus, j'ai complètement loupé mon BO. Je viens de me rendre compte. Hop. Ah, ça c'est la pression. Regardez, je suis déjà en train de trembler avec mes doigts et tout. Je me dis que il y a Yellow juste après, donc il va falloir que j'enchaîne les bonnes games. Va falloir que je fasse un bel échauffement. Alors, boum. Warcraft 3, si vous ne savez pas un petit peu, hein, si vous n'avez jamais vu mes streams ou quoi, donc j'y joue hein, de temps en temps quand j'ai pas assez de temps pour finir une game ou pour en relancer une. J'étais un bon joueur de Warcraft 3, mais j'étais moins bon que Psycho, donc Yellow Star. Et on jouait dans la même équipe qui s'appelait Millennium, les Allemands. Et on jouait surtout en deux. Enfin, on a surtout joué en compétition. Moi, j'ai surtout joué en compétition en 2v2 avec lui. Parce qu'en revient, j'étais pas assez fort. Puisqu'on avait des internationaux en plus de Psycho. Donc, j'ai rarement joué quand même dans les compétitions les plus prestigieuses par rapport à lui. Et bah, je suis un noob. Ah, bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise? En 2v2 aussi. Et en revient. Ah, pas le level. Allez, on va faire un archimal, on va se mettre doux. Les compétitions les plus prestigieuses, genre là où il y a les coréens, les amis. Ah ouais, là je parle des vraies compètes. On va les scouter aussi, avec un petit milicien. Hop, comme ça. On va faire une tower. Évidemment, hein. Hop. Parce qu'il faut toujours faire des towers dans Warcraft. De toute façon, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Vous faites des towers, vous avez gagné. Ah bah vous avez vu, c'est pas compliqué comme jeu. C'est pas compliqué, on va faire une petite ferme ici là, pour déconner. Voilà.
Trop de pression le 1v1, manque de professionnalisme. Et oh. Et on arrête ça tout de suite. J'ai pas commencé à traiter vos mères. Hein. Donc on arrête ça. Allez, encore un petit footman. Et puis après on ira faire le camp de mercenaires qui est pas loin. Hop, on va prendre tous les péons. Bon, on va prendre 5. On va en laisser un tout de même. Et voilà, le milicien. On les amène ici. L'archimage, il vient de sortir. On prend l'élémentaire. Élémentaire, dadi dader, comme dirait une certaine personne. Hop. Et on va aller directement sur le camp de Merco. Parce que les Merco, c'est bien, mais c'est mieux quand c'est de votre côté. Oh putain, j'ai pris la sauce, un truc de ouf. Donc voilà, j'ai commencé mon spot. C'est la merde. C'est la merde. Faut le dire, c'est la merde. Ah bon, alors c'est pas trop mal, hein, comme agression de. Comme agression. Oh la vache, alors c'est quoi? C'est un human en face. Aussi. Plutôt une bonne nouvelle. Hein. Plutôt une bonne nouvelle parce que human contre human, il n'y a pas à venir trop me faire chier. Et moi je compte XP plus rapidement que la personne en face de moi. Étant donné que je suis meilleur que lui. C'est ce que je me dis. On va les poser bien sûr une petite ferme. Ouais, j'aurais pu la poser avant. C'est quoi ça? Des papins pas loin ça ou quoi? Alors on va continuer. On a les scouts. Ouais, on va faire ce creep là. Et on va up T2, évidemment. Alors le petit prêtre là que j'ai pris, bah ça vous soigne évidemment un prêtre. Et c'est plutôt bon. Allez, on a 4 footmen. On va bientôt aller sur un mid lane vers la fontaine. Histoire de voir déjà de qu'est-ce qu'elle est. Alors, c'est une fontaine de mana, normalement. Si je ne me trompe pas. Bon, comme je me trompais à peu près, non, c'est dans ces bêtes-là, un petit peu dommage. Alors, vous pouviez voir avec la luminosité de votre écran, en fait, si c'était une fontaine de mana ou une fontaine de soins. Dès le début de la map, juste avec le fog, là, je crois que c'est mana, je suis quasiment sûr, une fontaine de soins. Donc voilà, parfait. Donc comme je vous le disais... Oula, ok. Donc là, souci. Hop. Ah oui, bon, alors celui-là, il va mourir. Directement. Un petit peu dommage, j'ai meurt justement, je perds un autre milicien, c'est un peu relou. Pour être complètement franc avec toi, avec vous. Alors il a masse item par rapport à moi. Je sais pas sur quoi il a go. J'ai l'impression de. Oh merde, 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 merde. Ouais, je perds un fou de mets. Allez, le circle, il passe. Il va être obligé de TP évidemment. Allez, on va essayer de le péter l'autre. Ah, il sera pas pété. Allez, on va faire le shop. Si on réussit à sauver un petit peu ici. On va faire ça et on va faire directement une série. Pour avoir un peu plus de bois, évidemment. Parce que là, c'est un peu la merde. Le up des PC Millennium. Ah, on les a eus. On les a eu aujourd'hui, les PC Millennium, donc on va voir nos nouveaux PC chez Millennium, donc Millennium nous a passé des PC, donc super sympa à eux. Voilà, déjà. Et donc c'est cool, voilà, tout simplement. On va pouvoir streamer de la maison peut-être, si on a assez de connexion, on n'a pas encore testé. Normalement ça devrait aller, mais je suis mitigé quand même, enfin j'ai un peu peur. Bon, le Berserker je l'ai acheté parce que ça m'a saoulé qu'il fasse des trucs comme ça chez moi. Hop, et on va aller sur la fontaine. Ah, il y était, hein. Il y était le salopard. Allez, on va back tout ça et on va essayer de hit notre ami Archimage le plus possible. Alors moi j'ai acheté les bottes, intelligemment, puisque je sais que lui il ne les avait pas. Je vais essayer de le creep block un peu. Regardez, donc avec mon creep... Essayer d'être devant lui, essayer de le ralentir. Alors c'est un peu dur parce que le creep puffing est très difficile sur War 3. Alors là il n'y a pas les bots, donc il s'en est rendu compte. Voilà, c'est bon pour ça. Voilà, là il va vouloir me circle, mais je pense que de toute façon je l'aurai. Il faut essayer de rester toujours avec un alimentaire à côté de soi pour pouvoir se débloquer en cas de situation un petit peu difficile. Là je vais faire le tour et tout, je vais m'amuser avec lui. Donc là il fait n'importe quoi. Hein. Je vous le dis,
Je vais réussir normalement à tuer. Oh, c'est chaud hein, quand même. Oh, il a réussi. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard, il a trop bien joué. Il a trop bien joué. Il a trop bien joué, j'avoue. L'ennemi qui va pas tarder à arriver. Ah, la vache. Oh, le Kono. Ah, le Water Elemental. Bon, il a acheté quand même un TP. Je lui ai pété deux miliciens, quand même. Bon, je vais racheter, moi, vous avez vu, moi j'ai racheté directement mon bordel. Et lui, il a acheté masse. Ok. Ah, il va bientôt arriver pour vouloir me péter. Ah, et bien sûr, la belle invul. Perdre mon berserker normalement. Non, même pas, c'est bon. Allez, on stun le gros. On va essayer de le circle peut-être. C'est bon, il circle. Et on va aller faire le. On va faire la fontaine hein, sûrement. Bon, il a quand même perdu un gros gnoll plus une popo d'invul. Donc exactement le prix de ma résurrection à la fontaine. C'est plutôt bien. Allez, on va se régène sur ça. Oh merde. Oh, le berserker qui se bloque. Oh, c'est bon, on arrivera à le sauver. C'était chaud quand même. Alors, comme vous le voyez, j'ai pas fait le trick hein, parce que de toute façon, ça durera autant de temps, à mon avis, de faire le trick ou non. Ah, par contre. Oh putain. Oh la vache quoi. Oh là là, et je me fais hit de la part des sbires en même temps. Oh, c'est horrible ce qui s'est passé pour moi. J'ai pris l'aggro des mobs, j'ai pris l'aggro de tout le monde. Ah, c'est horrible. Bon, va falloir que je reste pas loin en tout cas. Bon, alors est-ce qu'il y a des gens qui arrivent là? Bon, ils sont en train de se faire niquer, ok. Ça va être tendu, ça va être trop tendu encore une fois, alors que j'étais bien reparti. Allez, on va essayer d'avoir l'archimage. Il est en mode circle. Mais ça marchera pas tout le temps. Ah bah si, ça marchera, hein. Encore une fois. Il me baise. Bon, par contre, ça coûte le même gold hein, de faire ce qu'il vient de faire et. Donc, d'utiliser une popo d'invulnérabilité contre moi. Ça coûte 170 de me ressusciter. Alors, attendez, parce que là, c'est la merde tout de même. Ah, je refais des sorcières alors que je devrais pas faire de sorcières contre, dans ce match-up. Archimage qui revient dans un bout de temps. Oh, il a tout acheté au camp de Merco. C'est la merde. Hein. Eh, après contre Yellow, ça va être la merde. Parce que là, si je commence à perdre. Oh merde. Pas beau de micro sur ce coup-là. Oh là là. Allez, on repart dans le fight. Je vais perdre un footman là. J'ai mon ami qui va bientôt revenir. Ah, c'est pas mal, il perd pas mal de trucs là. Oh là. Il a encore envie de me circle, le bâtard. Il a son TP. Allez, on va essayer de prendre les unités une par une. Il y a un berserker qui est là. Ouais, vous avez vu le berserker là, je le défonce. Il a mal joué le mec. Au final, je perds quasiment rien. Et on va aller du coup sur le Drake. Encore une fois. C'est chaud, hein? Bien sûr que c'est chaud. Vous aussi, vous le voyez.
Allez, boum, la M. Il dégage. Allez, le MK, le circle. Ah, dommage, pas passé loin. Allez, on va faire tout ça. On va faire tout ça si on y arrive, bien sûr. Je sais pas encore dit. Il manque pas beaucoup de mana pour lui mettre un stun. Et un stun, ça peut être la mort. On le sait, évidemment. Avec un gros circle. On va mettre ça là où il faut. Je sais pas s'il a B2. Et ça, c'est un grand, grand problème. Ah, il a T3, ok. C'est complètement autre chose. Là, le petit circle qui peut passer. Allez, le circle qui passe. Oh non, il passe pas. Ah si, il passe. Il passe, mais je suis tellement low HP. Je suis tellement low HP. C'est trop la merde. Encore une fois, quoi. Encore une fois, j'ai envie de vous dire. Allez, j'ai réussi le... Ah, j'ai réussi le circle, là. J'ai réussi le circle. Oh non, il s'en va. Oh la vache, quoi. Ah, il est T3 maintenant. Trop la merde. Trop la merde. Un petit stun peut-être. Allez, un petit bash. Ah non, pas de bash. Pas de bash de prévu. Essaye d'enlever un peu de mana là sur le paladin. C'est pas grave si je perds ce footman. Mais bon. C'est sûr que ça aurait pu être mieux si je l'avais pas perdu. Ah, je perds ce spellbreaker aussi. Ouais aussi, ouais. Ouais aussi, ouais. Ça se passe trop trop mal. La game est perdue. Merde. Essayer de faire un truc, mais ça va être trop trop chaud. Je vois pas comment je peux gagner. Ça. Il est T3 maintenant. J'imagine qu'il a pas de B2 parce que sinon ça serait un peu too much. Ah, j'ai pas encore réussi à finir ce spot là. C'est quand même la honte. Mass tank ou mass griff incoming? Non, ça sera plutôt chevalier in fire. Normalement, bon, mass griffon, je pense pas. Même si ça serait très très logique, enfin ça serait très très possible. D'ailleurs, je vais faire une petite forge, juste une case. Il va falloir des items défensifs, parce qu'il fait que de me circle et que c'est relou. Ah bah regardez, justement, il est là. Oh merde. C'est bon, je vais pouvoir être level 3, sûrement. Ouais, c'est bien. Voilà, il y a chevalier. Il va y avoir une fire qui devrait arriver. Et moi, je suis complètement home sur mes unités. C'est parfait. Oh là là, et en plus, il a tout pris, quoi, le mec. Oh, mec, il a fond. Essaye de micro un petit peu, mais ça va être compliqué, les amis. Allez, on va essayer de prendre 2-3 unités comme ça. Ah, j'ai une fire maintenant. Puisque j'ai des spellbreakers, je vous le rappelle tout de même. Spellbreaker, c'est chaud.
Oh là là, il m'a circle. Bien circle, hein. Il déconne pas, lui, sur les circles, hein. Bah, GG. GG, mon gars. Dommage, j'ai merdé un moment. Oh la vache, quoi. Ah merde. Soundready, il me dit. Ok, bon, bon, on va attendre notre cher Bora. J'ai perdu, quoi. C'est la merde. Bon, après, c'était pas mon match-up, hein. Ah, Human sur Gnowood, c'était pas moi le job. Allez, on va se faire toute petite page de pub, 1 minute 30, juste en attendant Bora, je vais créer la game, etc. Ou alors quelqu'un va créer la game. Je crois qu'il y avait une personne qui était là pour créer la game, donc s'il pouvait revenir sur Chanlege, ça serait très amical à lui. On revient, et c'est le 1v1 contre Yellowstar, à tout de suite. De retour sur Yum TV 2, les amis, après la petite page des publicitades, on va appeler notre ami Yellowstar sur Skype et on va lui demander s'il est prêt pour le fameux duel. Alors. Skype a cessé de fonctionner. Voilà. Donc, ça, c'est grand quand même. Ça, c'est quand même pas mal. Ça, là, hein. Ça, c'est quand même marrant. Allez, on va retourner sur Skype, du coup. Et on va rappeler notre cher ami Bora. Il va venir dans notre Chanlege sur Warcraft 3. J'ai la pression. Eh ouais, j'ai la pression, évidemment. Faudrait me dire le GN. GN, Lege. Ok, Lege fan. En train de make, je sais pas s'il a trop compris. Donc, Bora, hop, je le rappelle. Pourquoi j'entends pas? Pourquoi j'entends pas les petits bip, 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 bip de Skype? Genre quand vous appelez quelqu'un et tout. Non, ça pue du cul. Ah, là voilà, là normalement je devrais. Ça devrait être bon. Ah, voilà, on l'entend. On attend la petite sonnerie, ça fait plaisir. On attend, tranquillement. Est-ce que vous entendez le son? Vous entendez le son? Ouais, normalement vous entendez le son. Peut-être augmenter un petit peu quand même. Ah, il vient de répondre. Bonjour, mon cher Yellowstar, comment ça va? Bonjour, bonjour. 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 Comment tu vas, mon gars? Bah, ça va très bien, et toi? Ouais, ça va très très bien. Attends, je un petit peu mon casque parce que c'est un petit peu la merde. Bon, est-ce que t'es paré pour un petit Warcraft 3? Bah carrément, là je t'attends, là je me suis chauffé toute la soirée et toute la matinée là. Genre, arrête de mytho. T'es où? Je suis en train de t'attendre sur le Chanlege, mon cher. Je voulais te dire aussi, avant qu'on commence notre Warcraft 3, tout notre petit bordel, quand même félicitations pour ce week-end avec Fnatic, vous avez été à première place des LCS, donc GG quand même. C'est grosse perf de votre part, quoi. Bah merci. Bah y'a pas de problème. Mais l'idéal pour nous, ça aurait été de finir deuxième pour les playoffs, mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un petit détail. Ah bon? Vous auriez préféré finir deuxième? Parce que le premier était plus abordable de... Enfin, je sais pas. Bah en fait ça dépend, parce que si on finit premier, on doit jouer soit contre EG, soit contre les Wolves, et si on finit deuxième, c'était soit SK, soit... Soit, ouais, effectivement, on est d'accord. On est d'accord que EG ou CW, ça fait un peu plus peur que SK ou A. Enfin, pour moi. Bon allez, le GN c'est le Lege, mon cher,
Et ça, c'est bon, on est dans la game là, directement, donc tu te dépêches. Parce que moi, moi aussi j'ai train. J'ai train tout le week-end, mon gars. Je te jure. Non, c'est qui crée, c'est non, toi qui crée ou... C'est bon, non, non, c'est Chaton qui a créé. Chaton a créé. Et Chaton a créé, t'inquiète pas, ça va être le même ping pour tous les deux. Ah, moi, ça marche. On se met bien. Bon, je vais pas te faire de surprise, je vais jouer Night Elf. Parce que j'ai un problème avec les autres races. Donc, soit. Tu veux qu'on se fasse un NE. Hey, 1v1, NE. 1v1, NE. Tu penses? Sérieux, mode genre on est à l'ESWC final. On est parti. Ok, ça marche. Eh, on donne tout. plein de gens qui sont en train d'arriver dans la partie. Ben, dès que tu as choisi ta race, on est parti dans la game. Babtar, j'ai rigolé, tiens, un pseudo sympathique. D'ailleurs, j'aimerais poser une petite question. Pourquoi toi t'as la couleur rose? Est-ce que ça s'est mis automatiquement ou c'est toi qui l'as choisi? Non, c'est moi qui l'ai choisi, mais j'ai fait de la merde parce que je m'appelle pas Stéphano, moi. Hein, d'accord. On est d'accord. Alors, excuse-moi, j'écoute un tout petit peu. Je suis en train de regarder pour le son parce que je t'entends pas beaucoup. Ah, bah moi je t'entends parfaitement. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Alors, attends. Ah, voilà, c'est bon. Ah, ça va un petit peu mieux. Bon, allez, go. Du spectacle. On a encore 10 minutes. On fera peut-être une petite deuxième parce que juste après, je sais qui c'est, donc il n'y aura pas forcément trop de soucis. Allez, on se dépêche là, les gens là, ils sont en train d'arriver dans la game. Moi, j'ai envie de défoncer de l'asiatique là. Je suis chaud. Je suis trop chaud. Vas-y, bon. Alors, attention parce que maintenant, comme on est en vocal, mon cher Bora, et que généralement, j'ai l'art de dire un petit peu ce que je fais. Il va falloir que je me taise un petit peu. Allez, on est parti. Les strats spéciales, je les ai répétées tout le week-end. Ah, je suis chaud. Là, j'espère que tu entends les clics. J'espère que ça commence à te mettre la pression. Est-ce que tu vas prendre la sauce? Oh putain, je suis parti. Allez, on va mettre un peu plus de volume sur Warcraft 3. Allez, le premier Moonwell. Premier Moonwell. Il est lancé. Moi aussi, j'en ai posé. Il est posé. T'es à combien? Je suis à 120 de 120 HP sur Moonwell. Je suis à 120 HP. Je suis à 170, 180. Ah putain, t'es un petit peu en avance. un petit peu. Bah, allez, sur RC, soyez comme des ouf. Vous pouvez venir à droite du lecteur hein, sur medium.org, évidemment, si vous voulez interagir un petit peu avec ce showmatch incroyable entre Yellowstar et moi-même, Bora de son petit nom, ancien pro-player de Warcraft 3. On peut le dire pour toi, pour moi, j'étais... Niob. Et puis voilà, hein, tout simplement, on va voir qui c'est qui a gardé un petit peu mieux la main. Moi, je pense que c'est toi, hein, pour être tout à fait franc. Je pense que tu vas m'exploser. J'ai rejoué à StarCraft 2 récemment, vu que j'étais ban pendant 2 semaines, du coup, j'avais un peu rien à faire. Et Warcraft 3, j'ai rejoué il y a un mois, vraiment, en 2.2 avec Harry, mon manager. Des grosses games, quoi. Ouais. Ouais, des très grosses games. Des bonnes games. Comme on aime sur Battle.net avec le cheater. Voilà, la base quoi, la base. Allez, attention, je suis en train de scout. Attention, oh, j'entends bien ton clavier là, tu me mets la pression ou c'est quoi, c'est pour intimider? non, c'est normal, j'appelle normalement. non, c'est la base. Allez, je vais pas faire ça, on va faire ça. Je parie qu'on est parti sur la même strat de grenouille quoi. T'as pas fait Massent. T'as pas fait POTM Massent quand même. Il l'a fait, il est horrible. Il rigole. Et ça le fait marrer le mec. Alors et bah ouais, et bah voilà, c'est ça. Oh putain, la vache le mec quoi. Aucun respect. Zéro respect quoi. Incroyable. Qu'est-ce que t'as fait? T'as pas fait ça? Ouais, j'ai pas fait ça moi. Moi je suis un mec bien moi. Putain, même à l'époque, tu faisais ça, quoi. Mais arrête-toi, c'est toi qui abusais, c'est toi qui abusais. Moi, j'ai essayé de faire un peu de finesse, tu sais, un petit peu de skill. Ah oh bah tiens. Ouais, vas-y, fais le malin. Fais le malin avec ton héros. Ouais, bien sûr, il a pris l'aura, il est pas con, hein. C'est Yellowstar. Tu viens pour péter le moule ou ça se passe comment, là? Ah ouais, je suis là pour péter le moon, moi. Ouais, non, mais arrête ça. Ah, commence pas. Qu'est-ce que tu croyais avec ton wisp? Eh, on est pas en l'air nous, quoi, là. Oh, arrête de déconner. Et comment ça met ta wisp devant moi? Normal.
Bon, par contre, je tue ou je tue pas là? Tu le tues. Ah, je le tue. Ah, oh, c'est la merde, hein. Ah, oh, c'est la merde, hein. Hop. Tiens, allez, je m'en vais. Grand prince. Et bah voilà, eh. Et boum, là, les amis. Je suis dans la merde un peu. Oh, bah tiens, tu reviens en plus. Ouais. Tu vas faire quoi, en fait? Bah, je sais pas. T'as pas un autre truc? Y'a pas un autre truc à péter? Je sais pas, moi je demande. Faut toujours avoir une bonne nouvelle. Ah, Yellow Star, attention! Avec le changement de respawn dans la mine! Incroyable! Incroyable, quel skill! Tu m'as défoncé. Allez, boum. Moi j'ai fini. C'est bon, moi j'ai win. Moi j'ai chimère. Le chimère, ça. Allez, ça marche. Allez, allez! J'arrive avec 30 entrées là dans ta base en fait. Ouais, une trentaine à peu près. Entre une trentaine, et deux. Contre EP4, petits archers, tiens, je vois ton DH là, après il va acheter les boots. Bah, j'ai envie de te dire. T'es au courant quoi. C'est toi même qui l'a créé cette strat, j'ai envie de dire. Alors attends, non, je vais faire mieux que ça. Je vais faire beaucoup mieux que tout ça. Ah, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'elles font tes 3 Mtras? Ah, tu prends téléport. Ah ouais, mais complètement. En mode j'ai envie d'arras quoi. Ah non, parce que je sais que t'es chaud de la micro donc. J'ai 50 Mtras quand même chez toi. Ouais, 50. Alors, est-ce que t'as acheté un dust? T'as acheté un dust. Carrément, ouais. Aïe! Comment tu fais ça? Ah, mais c'est pas fait exprès le bloc ou comment? Ah. Eh hey, oh. T'arrêtes ça direct, d'accord? Voilà, c'est chaud. Oh, la micro-gestion! Micro-gestion de ouf! Ah, et là, il balise un peu le Bora parce qu'il sait que le Mason, il passera pas là maintenant, donc va falloir trouver un autre truc. Ce sera pas de suite. Peut-être un peu plus tard, mais de suite, non. Attends, j'ai pas envie de me faire trap. Parce que je le connais, Il faut très bien avoir caché des Huntress quelque part, le mec. Il me le dirait même pas, tu sais. Ah putain, bon. Ça c'est fait. Ah. C'est quoi ton petit whisk? Ah. Oh, pop, qu'est-ce que tu nous fais là? Non! Ouais, bah ça va, eh, hey, oh. Pas commencer. Tu fais quoi du coup? Alors, tu sors de ta base là ou tu fais quoi? Ah non, t'inquiète, moi je suis bien, voilà. Moi je me sens. Oh, une petite naga. Ah, une petite naga, histoire de se mettre bien. Alors, c'est pas le mieux. Oh merde. Oh merde, t'es relou, hein. Sérieux. C'est vrai que t'es un mec relou. Viens là. Oh non, mais j'ai craqué quoi. Ta naga va faire circle. Ouais. Je l'attends celle-là. Allez. Ah non. Triste. Oh merde. J'ai mon truc à... Oh putain. C'est bon, t'inquiète. Je gère plus. Non, je gère plus. Oh la vache, quoi. Respire. Mais je ne respire plus, justement. J'ai comme un ouf. Eh, tu l'as pas vu arriver, cette popo, là, hein. Oh là là, par contre, là, le focus, là, ça me fait chier. Allez, vas-y. Allez. C'est chaud, Yellow. C'est chaud, Yellow.
Bon. Bon, mais alors du coup. Allez, vas-y. On l'a kill celle-là. On l'a kill à deux comme des grands. Tu veux l'XP ou pas? Ça se passe comment? Alors, TT2 là? Ah, TT2 là. Ouais, TT2. Ah non, t'es pas T2. Non, tu restes sur T1. Tu restes comme un tarte sur du T1. Je vais acheter des popos. Attends, j'arrive, je vais acheter des popos. T'en as bientôt plus dans ton shop là, fais gaffe. Oh putain. Oh, et il est parti là. Là, il est parti en mode. Je suis relou. Ouais, vas-y. Le staff. Allez, le staff, qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr. Ouais, il y a le bordel qui est en train de se construire, hein. Je t'ai vu, hein, depuis tout à l'heure. Hein. Fais pas genre le malin. Hein. Donc comme tu disais tout à l'heure, j'ai plus de popo. Ça c'est la merde. Allez. Non. Allez. Oh. Oh putain, plus de mana quoi! J'ai un petit truc qui balance des. Ouais. Quoi. Ouais, mais bon. Osef, ça. Ça, c'est pas grave. ça va être réglé, ça. Oh, enfin, ça va être réglé si j'arrive à micro quoi. Ce qui est moins sûr quoi. Oh non! Oh putain de sa race! Isma! Oh putain! Ah, c'est tordu comme game quand même. Tu peux pas un dire quoi? Ouais, ouais, un peu! Wow, bam bam bam! 31 HP! Ça fait plaisir! Putain la gueule! Mais j'ai plus de Manuel! Ah mais fuck! Ah la vache quoi! Oh le mec! Ah j'y arriverai pas! Ah oh, c'est chaud Baraka frites! C'est chaud Baraka frites! Ah non là c'est la merde! Là c'est la merde! La pute shop! Ah, c'est la nuit. Ouais. Allez, j'ai Papy qui arrive. Oh merde! Ah, ça va être trop chaud là, mon cher Borin. Ah, je vais pas pouvoir win celle-là. Hein. Non, mais j'ai un staff. J'ai un staff, mon gars! J'ai des moules juste à côté de chez toi et j'ai la map qui arrive là. Ouais bah ok. Ouais bah voilà, GG Wildfly. GG. Putain, ça rase quoi. Oh la vache. Un Masson. T'as vraiment aucune âme hein. C'était chaud. C'est d'accord, moi je suis d'accord, c'était chaud. Et sur IRC, attends comment ça. J'ai perdu depuis 10 minutes, mais pas du tout, qu'on rien compris le mec sur IRC. C'était chaud, on est d'accord. Bah GG en tout cas, Bora, j'espère qu'on pourra refaire ça, on va devoir quitter le stream, il est 14h02. Merci d'être passé. Ça fait un plaisir, hein. Bah ça fait super plaisir aussi. Tu reviendras dans une émission refaire un petit 1v1? Ouais, bah ouais, carrément, ça marche. Moi ça marche. Ah bah c'est parfait. Bah je te remercie encore une fois, et j'espère que tu as passé une bonne journée. Tu fais un petit coucou aux viewers?
Coucou les viewers. Et on se retrouve ce soir à partir de 20h. Exactement. Avec moi. Ouais, 20h, 23h, ça sera avec Bora. Puis après, ça sera 23h, 2h du matin avec moi-même. Allez, ciao ciao Bora, on te fait un gros bisou. Ciao ciao. Ouais. Bisous. Bisous. Ah, c'était marrant, c'était bien. J'aime bien Bora. Et vous savez que je l'aime bien. Allez, le déjeuner léger, c'est fini. Je vous retrouve évidemment ce soir, de 23h à 2h du matin. Yellowstar sera juste avant moi. Maintenant, c'est Squeeze qui arrive sur MiMTI2 pour du Ladder Pro. Ça va envoyer du très, très, très lourd. Avec Squeeze, il n'y aura pas de Fiddlestick Middle, par contre, bien entendu. Allez, ciao, ciao à tous. Passez un très bon après-midi.